punaise! Wow, mais c'est une insulte ça en fait, hein. Bah quoi, je dis ça comme alternative aux autres gros mots? Bah alors là, pas du tout, meuf. Et ouais, punaise, c'est un vrai gros mot. En fait, punaise, ça vient de puner, qui veut dire qui pue du nez, de la bouche. Et on a donné le nom de punaise à l'insecte parce que bah certaines des espèces dégagent une odeur repoussante lorsqu'ils se sentent en danger. Ah, super le nom, merci. Quelle aubaine pour l'utiliser comme insulte! Et comme beaucoup d'insultes dans la langue française, ça a été utilisé pour insulter les femmes. Yes! Bon, pour le coup, je vois pas trop le rapport parce qu'on lit sur le site de l'Académie française, on a usé de ce terme pour se moquer des femmes dont la poitrine était jugée peu généreuse. Bon, faut savoir, on pue du bec ou on n'a pas de bzèze. Faut choisir! On l'a aussi utilisé pour les femmes qui refusaient de coucher. Là aussi, le rapport s'est envolé. Bon, peu à peu, c'est devenu plus un gros mot de circonstance plutôt qu'une insulte à part entière. Je sais pas si je vais remplacer « ménin » par « punaise » avec mes neveux maintenant. Allez, abonne-toi pour pas rater mes prochaines vidéos.